Salut, salut, nous voilà de retour sur Terraria. Bonjour Bébelle. Bonjour Bébelle. Bon. Voici notre notre deuxième let's play, donc pour reprendre un petit peu nos personnages. Donc je suis Star. Et Star. Je suis Marco. Super. Oui, je me suis renommé hein, parce que bon, Brian ça le faisait pas. Non, et puis t'étais en facile. Voilà, je me suis mis en moyen, mais voilà, j'ai rien changé. Donc là, on est envahi de monstres. On a une vieille épée en bois seulement, donc ça commence bien, hein, j'ai envie de dire. Et un arc, faut pas l'oublier. Et un arc, on va les défoncer. Ouvre la porte, je te suis. Alors, go. Je fais la technique du moulinet, hein, ouais, bah... là pour les yeux. Super utile. Attends, moi je vise quand même un âne mort. Ah. C'est bon, on les a eu. Super, mais il y a les zombies là en bas. Oh putain, on voit rien, on pourra baliser. Ouais. Plein zombies. Plein... Ça, je vais baliser, en plus ça sera beaucoup mieux pour le laisser. Bah à la limite. Prends ta tombe. Vas-y, vas-y. Serre-toi. Pratique pour vous faire un super cimetière. À augmenter la maison. Bah ouais. Hein. Là, il peut y avoir. En fait, il peut y avoir 4 personnes là dans notre maison. Il manque des tables. Et je me souviens qu'on était un peu à court de bois. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, ça serait bien. Merde, j'ai enlevé un arbre. Ça va pas nous aider. Donc, je me souviens pourquoi on était à court de bois. Ça commence bien. Alors, on va couper quelques arbres. Bah non. Et il y en a plus. Le but, c'est de les replanter. Non, c'est un peu chiant. Du coup, soit on va par là, soit on commence à aller voir ce qu'il y a sur la droite. Ouais, attends, c'est je vais prendre quelques objets avant de partir à l'aventure. Moi aussi. Hop. Je vais prendre un... C'est bizarre, il nous fait des prix ultra chers du coup. Je vends mes vieilles épées en cuivre. Oui, oui, oui. Et les trucs du début là qui servent à rien. Bah, et puis à chaque fois qu'on meurt, on reçoit des nouveaux alors. Ouais, il nous faudrait un coffre, ça serait bien par la suite. Ouais, on n'a pas encore assez de ressources, on n'a rien en fait. Non, là on a rien du tout. À la limite. Pauvre. Il me semblait que t'avais des lingots, tu peux pas... J'ai des lingots d'étain. Tu peux peut-être aller voir au four si tu peux pas faire une enclume. À l'atelier, pardon. En attendant, je vais planter quelques arbres à droite. Hop. Ah. Alors, je peux refaire des lingots d'étain. Ah, il y a un arbre qui a poussé. Ah, super, ici aussi. L'arbre. Non, je peux pas encore faire. Tu peux faire d'autres lingots là? Non, je les ai fait là, déjà. D'accord, ça marche. Je peux faire des murs, des conneries comme ça. Ouais, non, garde-les. Je propose qu'on fait pas des tables et des chaises pour l'instant, puisqu'on est vraiment en panne de bois. Ouais, 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 ouais. Je suis en train d'en couper. Hein. J'ai vraiment envie de prendre du bois. C'est toi qui viens de poser ces plateformes? Non. Non, moi je vais les replanter du coup. Ah bah d'accord, ouais, vas-y, bon, je vais poser la plateforme. Je vais passer par ici. Ah, c'est bon. Moi non plus. Non, bah après c'est peut-être... Regarde, on n'a pas mis de lampe. Tu vas planir tout ça. Si je veux faire un trou avec ma hache, ça va pas le faire. Super. Je pose les torches. Hein. Vas-y, tu peux y aller. Super. Ah tiens, il y a du plomb aussi. Ah super, ouais. Tu le veux ? Une plateforme. Des pots aussi. Passe par là. Là. Vas-y. Ah, il y a vraiment... Prends attention, c'est elle moi est... qui l'ai trouvé. Fais attention, elle est un peu fraîche. Hein. Ouais. On ne peut pas avoir du pot, n'est-ce pas? Oui, mais je suis toujours malade, hein, je le dis, je le redis. Prends pas le plomb?
Bah, je vais le prendre. Bah, c'était parti, donc j'utilise le nécessaire. Il reste un pot si tu le veux. Bah, je vais te prendre. Non, non, tu peux prendre. Mais il est. Ça, c'est sûr, il y a des glaires. Ouais. Celle-là. Moi, je prends Marcel. Le bois. J'aurais dû mettre une plateforme aussi. Le noir. Ah, alors elle est bonne? Non, un peu fraîche. Hop, voilà. Je vais prendre du bois. Prenons-nous dans les bois. Hop, et mon bois. En plus, tu partages quoi? Non, c'est le mien. Aïe. Ça tient plus fort. La hache, tiens. Tiens. La bûcheronne. Star la bûcheronne. Tiens, sale glaire. Meurs, pour d'être sous. Mourez. Mourez. Oh là, je me jette dessus. C'est absolument... Il me faudrait vraiment. J'ai hâte d'avoir mon sceptre en fait. Ah, ça là, il va falloir jouer un petit peu plus pour ça. L'effet de bois, c'est pas terrible. Attends, je mets d'autres plateformes. Je commence à replanter les arbres. Il y a une sale glaire là. Voilà. Bon, je vais ranger la forêt. Je vais ranger la forêt. Nettoyer la forêt à ça. Voilà, une jolie. Ah, je me suis agressé par une glaire. Je prends des arbres un petit peu où je peux. Histoire qu'on ait vraiment quelque chose sous la main. Ouais. Ça crée un peu. Bah, c'est un peu le composant de base, l'arbre, enfin le bois. Ouais, mais bon, faire des maisons en... Bah, utiliser de la pierre pour faire des maisons, c'est un peu mieux, je trouve, parce que du coup, on conserve un peu le bois. Oui, c'est plus facile à trouver la pierre. Ouais, voilà. Partout. Bah, ouais, je trouve ça dépend. Bah, déjà, là, tu vois, ils t'ont déjà en avoir. De toute façon, quand tu creuses dans une grotte, t'as forcément de la pierre au bout d'un moment. Donc... Oui. Mais... Parce qu'on utilise beaucoup les plateformes de bois pour. Oui, hein. Pour tout ça. Écureuil! Ça a l'air mesquin. Cet arbre sert à rien, mais je le prends quand même. J'ai 4 glands. T'aurais un gland? Oui, je vais te donner mon gland. C'est gentil. Non, non, mais ça va, il m'en reste 2. Ah non, attends, je t'ai tout donné. Ah, merci, c'est gentil, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. C'est pas grave, vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pierre qui est là. Vas-y, vas-y. Couvrir le sol avec de la terre. Bien joué, ouais. Comme ça, bravo. Les arbres. J'ai fait le salaud, j'ai balancé un écureuil sur une. J'ai pas fait exprès. Bah, c'est l'écureuil. Il commence déjà, hein, décidément. Il s'est jeté sur moi. À la place. Bon, on va essayer d'explorer un petit peu. Et ouais, puis, histoire de montrer quelque chose de. Terraria, c'est un super jeu où on peut couper du bois. Bah, et tuer des glaires. Je sais pas si ça sera... Non, mais il y a plein de trucs dans Terraria. Hein. Je sais pas si ce sera dans cet épisode ou dans le prochain, mais. Il va faire l'œil de Cthulhu aussi. Ouais, le roi des glaires, c'est sympa aussi. Il est dur. Oui, il est dur, bah, pour commencer. Ça, j'ai plus de mal avec le. Super, mais, plus de mal avec le roi des glaires qu'avec l'œil de Cthulhu. Ah. Je trouve qu'il a des mouvements beaucoup plus aléatoires. Oui, mais il est marrant. Bah, et puis il fait beaucoup de terre autour. Oui, hein. Je vais replanter, hein, t'en fais pas. Bah, je suis en plus. D'accord. Sur ta piste. Un café, bien sûr. C'est important. C'est dégoûtant. J'avoue, je... Je suis pas en forme, je... Je suis trop en forme. T'es vachement entraîné sur Terraria. Ah, de l'étain, attends.
Hein? Je me suis vachement entraînée, je suis en train de piocher un arbre. Avec une pioche. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cette partie, je suis nulle. C'est la partie nulle. Je suis sûr que tu vas réussir. Je vais me reprendre en main, Non, on va s'arrêter pour les arbres, je pense qu'on en a suffisamment. Ouais, on va aller explorer un petit peu, qu'est-ce que t'en penses, ça serait cool. On va repartir en arrière. Attends, là, on n'a pas mis de balise. J'en ai mis une là-bas. Ouais, super, elle est super loin. J'en ai mis une là-bas, au bout. À 3 km. Ah, cool, le marchand. Barney. C'est Putain, mais attends, je n'entends pas bien. C'est le gars dans Wild Brother, Barney. Ah, désolé, je t'ai piqué ta bannière. Bah voilà. Merci. Merci, hein, tu commences déjà là. Bah, on va dire que c'est pour nous deux. Alors, je vais faire quelques plateformes, c'est ce qui nous manquait. Ouais, d'accord, attends, je te sécurise. Hein. Voilà, j'en ai 100. 150 même. Ça va. Alors. Voilà, c'est parfait, on peut y aller. Nickel, alors en avant. Où c'est qu'on va? Là, il y a. Non, là, il y a l'air de pas avoir grand chose. T'as vu un trou là tout à l'heure? Non, là, ici, je l'ai. Enfin, attends, je vais sécuriser ça, là, ça va nous emmerder à chaque fois. Vas-y. J'attends dans le. Voilà. Je te un trou. C'est parti! Ah, je suis tombé. J'ai voulu sécuriser, je suis tombé. Oh, tu peux... Je vais poser le patron. Vas-y. Oh, bien sûr, l'idée c'est de pas tomber, de pas se jeter dans les trous. J'ai lagué. Parce que bon, hein, c'est pas très. C'est pas une grotte, mais on doit pouvoir faire quelque chose. Non, mon compagnon. Allez. Oh, bien sûr, on ne creuse pas sous son pied. Ça. Moi, j'aime bien. Tu fais con. Oh, je pose les torches. Hein. Croisez les doigts hein, pour qu'on trouve quelque chose. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas, bizarrement. Mais si, attends, à chaque fois qu'on croise comme ça, on trouve quelque chose. Oui, sauf que là, c'est un let's play. Donc, à mon avis, on ne trouve rien. C'est de la terre, de la pierre déjà, c'est pas mal. Je vais prendre la pierre. Hein. Vas-y. Continue à creuser vers le bas et je prends la pierre. Hein? Mais t'es chiante! L'argile! Attends, je vais commencer à creuser par là, ça va moins tomber. Un petit peu plus en dessous de la maison. Ouais, c'est pratique comme ça, on peut avoir un accès directement dans la maison. Alors, ce qu'il y a bien dans Terraria, c'est qu'on peut aller partout. Dans le sol, dans le ciel. Ouais, il y a des trucs partout. Là, j'ai trouvé du plomb. Ah, cool. Vas-y, prends, hein, c'est super utile. Le plomb, c'est le deuxième minerai important du jeu. Dans le ciel, il y a des harpies, c'est sympa. Ouais. Et dans le sol, tu disais qu'il y avait le roi des enfers. Le mur de chair, en fait. Voilà. C'est un... Ah, il y a plein d'autres trucs, hein, mais ça se trouve... Enfers, c'est le niveau le plus bas du sol, et en fait c'est un gros mur qui te fonce dessus sur toute la carte, toute la longueur de la carte. Oh, j'ai trouvé de l'étain. Ah, cool. Vérifie que tout est bien sécurisé. Ah, genre je fais mal mon travail, c'est ça? C'est très bien fait. Ah, il y a une cavité ici. Bien joué. T'as entendu un canard ou... Terre en vue. Je crois avoir entendu un canard également. T'as plutôt trou en vue. Aussi. J'osais pas le dire. Ah mais moi j'ose. Voilà. Alors, y'a rien ici. Un trou vide. Super.
Et non, quand il y a un trou, il y a forcément du bonheur. Raison. Continue. J'aurais dû faire un Shadok en fait. Je le sens bien. Un Shadok, ça pompe. Ah oui, c'est vrai. Ah, le Shadok pompe et les humains creusent. Enfin, certains. Ah, du... De l'étain, j'ai bien l'impression. Oh, ouais. Une belle veine d'étain. Bien, ça commence. Comment nous faire, Bedel, avec ces matériaux splendides? Bah, certainement une... pioche. Je pense. On verra, on verra. Bah, moi, en premier lieu, je vais me faire une enclume déjà, parce que c'est quand même l'objet plus du principal du jeu après l'atelier. Faire une enclume, pas du fer. Ouais, du fer ou du plomb, je crois. Rien d'autre ici. Alors, il y a une super technique. En fait, tu poses ta torche et tu l'enlèves. Et toi, t'as des petites braises qui tombent et tu peux voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. Bah écoute, s'il n'y a rien, on va abandonner. Hein. Bah là, il y a de la pierre, ça peut être pas mal pour finir un peu nos maisons. Ouais, ouais. Bah ça, des fois, il faut creuser quand même beaucoup pour pouvoir trouver quelque chose. Ah, une cavité. Hein. Attention à toi. Oh là. En effet, merci de m'avoir prévenu. Tu sens la peur qui t'envahit. J'ai failli mourir, j'ai vu toute ma vie défiler sous mes yeux. Alors... Devant, c'est mieux. Tiens, Bébelle, prends la corde. Non, ça va. Je suis très nulle en corde, j'ai pas envie de... Attends, je vais te poser des plateformes. Il y a des glaires, il y a plein de glaires. Ouais, j'aurais un sceptre à la rigueur, tu vois. Tiens, il y a du sable, là, sur les côtés. Oui, t'as un arc, hein, si tu veux. Oui, en attendant. C'est moins bien. Oui, c'est sûr. Ah ah. Ça va, j'ai bien réussi. Bravo. Super! Alors, un arc, on est. Fais attention au piège. Hein. Quel piège? Ah, je vois un coffre! Je vois un coffre! Ah, ça c'est cool ça! Coffre en vue! Coffre en vue! Allons-y, Bédel, jette-toi! Vas-y, enlève le piège avant que j'arrive. Non, il n'y a pas de piège, je disais juste attention au potentiel piège qu'il peut y avoir. Bah déjà il est pas dans une maison, c'est pas bon signe, mais vas-y tu peux le prendre, bah attends je vais le prendre pour vous montrer oui, aux gens ce qu'il y a. Vas-y. Alors nous avons des... Je vais prendre un peu de sable, ça nous permettra de faire du verre. Alors il y a des griffes d'escalade. Ah c'est pas... Permettent de descendre les murs en glissant, capacité améliorée si combinée avec les chaussures à pointe. Ah, une petite précision, vous voyez le sable, il descend en fait quand on le creuse, et si on se met en dessous, alors... Merci. Voilà. J'ai failli mourir. Sable. Quel testeur hors pair. Alors ce coffre. Donc j'ai des griffes d'escalade qui permettent de glisser sur les murs en fait. Et de ce fait de pas mourir en tombant trop haut. Il y a des lingots d'étain, une potion de rappel qui téléporte à la maison. Bah ça on va partager, j'en prends deux. Ouais. Hop. Potion de rapidité. Des bouteilles et des pièces d'argent. Je prends... J'en prends quelques-unes. Voilà. Hop, tu prendras le reste. Tu veux les griffes d'escalade ou je les prends? Tu peux les prendre. D'accord, bah je te laisse le reste alors. Hop. De toute façon, on partage, on met tout dans un coffre. Tiens. Non, en règle générale. Je te montre les griffes si tu veux. Hop, ça fait ça. Ouais, je sais, je te le souviens. Et la bouteille, elle fait quoi? Alors la bouteille, ça permet de mettre des trucs dedans, mais ça permet également de... Comment dire? C'est un atelier de craft pour les potions, si je me trompe pas. En fait, il faut la poser sur une table. Ok. Bah, je prends le coffre, hein, pour mettre dans notre maison. Hop. Tiens, pour arranger nos affaires dedans. Alors, droite ou gauche? Bah là, je prenais le sable, donc on va aller à droite, qu'est-ce que t'en dis? Allons-y. Par la suite, on améliorera nos pioches. Ouais. Puis on va creuser en même temps. On va creuser en même temps? Oui, d'accord.
attention, il y a un trou là. Ouais, ouais. Je vais poser une torche après. Ah, ça sert à rien de poser une torche, c'est du sable. La torche, elle va se casser. Ah, moi j'en ai mis une, elle s'est collée automatiquement, mais là, le mur, en effet, il est plus pareil. Je vais faire la lampe. Ah, bien joué. Je vais faire la chandelle. Tu veux tenir la chandelle? Il y a les glaires. Il y a un pot par terre. Un pot. Pardon. Tout va bien? T'es en train de mourir, hein? Dans le jeu ou? Non, non, dans la réalité. Il y a un minerai là, ouais. C'est du tungstène. Alors, tu veux? Ah, bah. Alors, c'était quoi? J'allais te demander si attention, tu voulais. Attention, mais... sable! Attends. Ah, j'ai plus de plateforme, je m'en fais. Là? Bah, ouais. Okay. Là, je vais me faire des flèches enflammées, c'est bien pratique aussi. On va pouvoir, quand on aura un four, le transformer en verre. Alors c'est pas c'est pas un four classique, hein. C'est un four à verre, ouais. Et en sable poli, il me semble, non? Ouais. Voilà, donc soit en bas, soit là. J'irai bien en bas, moi. Ouais, bon, on va laisser la glaire là pour l'instant, parce que je comprends. Ah, tu veux dire en bas à gauche, toi? Non, en bas à droite, moi, je parlais. Oui, d'accord. Parce qu'en bas à gauche, il n'y a que de l'eau, là. Merci. Oula, ça va? Ça m'a fait mal. Hop! Vas-y! Ah, oh, bah tu veux tout. Non, elle est partie. Non, elle est partie. Alors, t'es prête? Ouais, je mouline! Mouline! Comme dirait Dora. Ah! Ah, c'est pratique, la chance. Ah, merde. Elle m'a fait mal, cette glaire. Oh, un coffre en or. Une maison magnifique. Mais c'est qu'on a de la chance, ben dis-moi. Oui. Tiens, cette fois-ci, tu le prends, le pot, là. Quel pot? Le droit devant toi. Ah, oui. Dans l'eau. Alors. Tu fais. Je pose des torches. Alors, je regarde ce qu'il y a dedans. Vas-y. T'as pris le coffre là-haut, hein? Ouais. Ouais, je prends la statue, elle est magnifique. Nous avons un miroir magique. Une statue de drachon. Oui, elle était belle. Hein. Alors, le miroir magique, en fait, c'est comme une potion de rappel, mais ça se consomme pas, en fait. Tu le gardes pour tout le temps. D'accord. Voilà. T'as des bombes. Bien. Des lingots de tungstène. Du shuriken. Hein, j'en prends deux. Potion de danger permet de voir les sources de danger à proximité et encore deux potions de rappel. Bah du coup je te laisse le miroir et je prends les potions de rappel, d'accord? Ouais. Prends quelques bombes. Oh mais c'est partagé les potions de rappel et les potions de... J'en ai deux. Non, si tu prends le miroir t'en auras plus besoin. Ah bah oui c'est vrai, je te filerai les miennes alors. Voilà tu peux prendre le reste. Je suis un peu distraite. Attention une glaire. On peut pas remonter en fait. Ouais, attends, je règle ça tout de suite. Ça fait pour remonter. Je ne sais pas. D'accord. Super. Ah. Bah écoute, je vais casser les murs hein, même pendant que tu récupères le coffre. Ouais. Oui, parce que nous, quand on trouve une maison, on la désosse. Oui, parce que ça permet de récupérer le bois en fait. Et les shurikens, je m'en sers pas. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah je les veux bien. Tu peux les laisser dans le coffre. Ah bah, je sais pas. Je les mettrai dans le coffre à la maison, alors je te les donne tout de suite. D'accord. Tiens, hop. Merci. Oui, ça permet de faire du bois gratuit. Là, mais c'est une très bonne idée. Hop. Attention de l'eau, hein. Utile en me lâchant de l'eau sur moi. Mais il y a encore une statue ici. Super. Le statue de golem, je n'ai pas vu. Pas vu. Statue de golem, non, je ne sais pas.
D'accord. En pierre, sans doute. Bref. Et comme je peux pour poser mes plateformes, ça lag un peu. J'espère que cette fois mon PC ne s'éteindra pas. Oui. Que bon, ça craint quand même. En plein l'air. Ah, c'est sympa de faire quelque chose. Non, sur rien. Enfin, voyons. Qui peut bien s'occuper sur un ordinateur? C'était pas important. Ah, super! Y'a pas moyen d'évacuer l'eau, c'est un peu chiant. Y'a pas moyen? T'as pas des cavités en dessous? Je vais creuser un petit peu ici, voir ce qu'il y a. Moi, généralement, quand je vois de l'eau, je la contourne. Je suis un chat, je n'aime pas l'eau. Là, y a rien, là. Ah non. C'est là, tiens. Mettre un petit peu de... Il y a de l'eau, là, au-dessus. Bref, ne fais pas tomber d'eau. Essaye de faire attention. C'est tout noir, ce n'est pas facile. Ah puis c'est du sable en plus. Non mais c'est une super mauvaise idée. Ah ça marche très bien comme ça. Ouais je... Pas ça parce que c'est du sable en fait. Et j'ai pas envie de jeter de l'eau dans les yeux. Non mais t'as vu là à droite... À gauche pardon. Ah j'ai vu là. À gauche. À gauche t'as de l'étain là. Ah oui en effet. Ouais mais elle est dans l'eau. Mais ça va te permettre d'évacuer un peu d'eau. Ouais, mais comme je te dis que moi l'eau, c'est pas mon fort. Je vais le faire. Tu veux bien continuer les murs à la limite? Ouais. Les murs en plus. Là, c'est qu'il servait à rien, tu sais. Alors, il y a une petite astuce pour. Par contre, j'ai pas de marteau, donc je vais pas pouvoir prendre les murs en eux-mêmes. Je vais t'en finir. Hop, merci. L'astuce quand vous creusez dans l'eau, en fait, vous faites là un petit truc comme ça. Avec une torche comme ça, hop. Et ça vous fait un soutien. Et les ergots, tout chaud. Voilà. Merci Bébelle. Ça t'aide, hein. C'est le let's play des vannes les plus nuls de la terre, en fait. Je crois que là, je. C'est parce que je creuse trop sur la terre. Alors tu touches voilà, le fond. Voilà, je fais des vannes à la hauteur du jeu. C'est. Ah, j'ai trouvé une cavité. J'ai honte. Je l'admets, hein. Pourquoi je... Ah, du... c'est pas du plomb, ça. Quelle est couillon, cette fameuse. Il y a du plomb ici, hein. Il y a une bière coincée là. Peut-être m'arranger pour faire tomber l'eau. Il y a quelqu'un qui a fait tomber du sable. Je sais pas du tout c'est qui. Si je le trouve. Ah le démolisseur. Bon, ils arrivent vite les PNJ. Bah ouais. Bah on a fait plein de maisons. Oui. On a passé le. Ouais mais il y a 4 maisons qui sont fiables. D'accord. Déjà. Est-ce que j'ai pas des tuyaux? Tuyaux. Des tubes colorés. Tu sais, ah. Vert. Des... Votre de ta composition des bâtons lumineux. Ah bah voilà. Tiens, je te rajoute de l'eau si tu veux. Ça c'est gentil. De rien. Je crois qu'il y a encore une maison là. Quoi? Ouais.
Sérieux? Ouais. Bien, on va déjà finir celle-ci. Ouais. Ouais, parce que là, on récupère plein de bois, du coup, c'est vachement bien. Ah, et puis des objets aussi, hein. Là, on a eu le miroir. Et les griffes d'escalade, c'est super, je trouve. J'ai l'impression que ce let's play, deuxième let's play, commence bien, à part les vannes de merde, il commence bien. Justement, je trouve que ça commence bien aussi. Tiens, je te remets un peu d'eau si tu veux. Merci. C'est sympa, hein. Heureusement que t'es là. Ah bah, je suis toujours là pour te servir. Hop. Je vais me noyer avec toi. Comme c'est romantique. Hop. Ah, yes. Attends, je vais mettre une plateforme ici. Vas-y, je pose quelques torches. J'ai pas envie de sauter comme un con dans l'eau. Tu vises quelqu'un peut-être. Tiens, un pot. Ah, t'as noyé la maison. C'est cool. C'est pas grave. Regarde, ça se remplit, c'est bien. Super, un autre coffre, vas-y. Attends, il y a aussi une statue, tu prends la statue? Ouais, alors c'est une statue de... Une statue corrompue. Cool. Alors ici, nous avons... Ah, bah, il y a des chaussures à pointe. Ça va avec les griffes d'escalade. Ah bah, vas-y. Alors, ça permet de descendre les murs en glissant. C'est pas si... Super, j'éteins la lumière. C'est nuit. Merci. Des cordes, des lingots de tungstène, des shurikens, potions de rapidité, potions de rappel et des... Rien d'exceptionnel après. Bah j'écoute, je prends les chaussures d'escalade alors. Bah je ouais, te laisse le reste. Moi de toute façon j'aimerais bien avoir un grappin par la suite. Ah regarde. Vous m'aurez pas. C'est pratique. Je suis un chat. Bah après ça va faire là, tu te débrouilles plutôt bien avec... Ah oh, putain j'ai encore été là. La chiante. Alors, tu te débrouilles plutôt bien avec? Je te débrouille plutôt bien pour sauter. Oui, bah après tu peux les prendre si tu veux. Non. Ça te permet de t'accrocher au mur, c'est vachement pratique. Non, mais je pense que je serais quand même un boulet même avec. Mais non, t'es pas un boulet. Il y a de l'étain là sur le côté. Ouais. Je vais prendre le coffre. Vas-y. Et tu vas faire en même temps. Ouais. T'as pas pris les potions de rappel? Non, prends. Mais j'ai un miroir. C'est vrai, pardon. Ouais, je vais les prendre. Non, mais je les ai pris, je vais enlever le coffre. D'accord. Je te les rendrai après. Oui, c'est pas très grave, j'en ai plein. Tu les mettras dans le coffre à la maison. D'accord? Ouais. Bon, je vais pas prendre toutes les potions de rappel parce que. Sinon, plus tard, on va avoir des problèmes. Si on meurt, tu sais. Les gens qui se jettent sur la torche. La torche. Enfin, attention, il y a une glaire dans l'eau. Elle est bloquée pour le moment. C'est pas utile de mettre. Attends, il y a une cavité là. Voilà, nickel. Juste au-dessus de la glaire. Oui, j'ai. Je l'aime cette glaire, je comprends. Elle me fait pitié là pour rester dans son truc. Vas-y, ah, hein, y a jamais trop de torches. Bah, si, parce que après, bon, c'est un peu chiant. Faut tuer des glaires pour avoir du gel et tout. Bah, tu vas me dire au moins d'en rajouter. Oui, bah en fait, si tu mets beaucoup de torches comme ça, ça permet de voir s'il y a des minerais sur les côtés, tu vois. Ouais, je prends tout. Ouais. Ah, pardon, avec la pioche. Alors attends, je libère la glaire, hein, tu fais attention. Mais attends, je suis tombé, je suis... Hey. Vas-y. Oh bah, elle va pas... Ah. Cool. Comme super. Ouais, ouais. T'es en forme. Non, je suis crevée, en fait. Ah. Merci. Il viendra de se lever pour c'est van à la con. Ah, il y a encore du de l'étain là-bas.
Attends, hein, je... Ah, regarde là. Ah, du plomb. J'ai vu une cavité, je me suis jeté dessus. Pense à respirer de temps en temps, quand même. Oui, je prends une petite bouteille. Je pense que je vais avoir une idée à la con, je vais creuser là. D'accord, vas-y, vas-y. Je me sens bien. Hop. T'aimes les idées à la con. J'aime bien tes idées à la con. À chaque fois, tu trouves des super trucs. Regarde, t'as trouvé une cavité. En fait, je voulais surtout aller récupérer l'étain. Vas-y, je me jette. Pas peur. Ah, pas mal. Cavité en dessous, mais après. T'as trouvé des bien, des trucs bien. Bah toujours de l'étain et du tungstène. Ouais. Dis-le avec l'accent du tungstène, tu vois. Ah, il y a du plomb aussi. Quel lin. Hein? Non, je fais pas le rang, c'est. Ouais. Non, j'ai juste pris du plomb. Non, je fais attention au sable. Ouais, ouais, je le vire. Tu vois, il y a une cavité au-dessus. Je crois que c'est rien, mais. Fais attention parce que il y avait pas mal d'eau et de. Ouais. J'ai pas vraiment osé creuser. Il y a encore du plomb là-bas. Vas-y, tu peux prendre. J'ai de l'étain ici. Ce qui est bien dans Terraria, c'est qu'on peut recommencer 250 000 fois et on s'ennuie jamais en fait. Oui. Nous, on adore passer des heures là-dessus. Jusque. J'ai à 6 ou 5 heures du matin, ouais, pour. pour explorer tous les mondes de glace, le désert. Et encore, on a. No life, quoi. No life de Terraria. En fait, Terraria, tu peux le finir en. En une journée, hein. Si moi, j'aimerais pas finir. Si tu rushes à fond, tu vois. Mais nous, on aime bien tout découvrir, profiter vraiment du jeu. Je vais mettre une plateforme. C'est quoi ce truc vert? De la mousse. Peut-être des champis. T'as vu là dans l'eau, il y a du plomb encore. Ah, je vais le chercher, d'accord? Tu peux continuer là-dessous. Il y a une petite cavité aussi, il y a une glaire là-haut, hein. Cavité ici aussi. Sinueux de mon côté. Ah, moi j'ai une cavité là avec une chauve-souris dedans. D'accord. Il y a des rails ici. Ah. Il y a un zombie. Ouais. Attention, c'est un squelette, ça. Ouais. Putain, quelle est la grosse conne qui me torche ici. On part peut-être un peu loin, là. Ah. On part loin? Tu veux qu'on remonte? Quand j'ai fait tomber un bloc, je vais juste le chercher. Et je remonte. Ah. Qu'une corde. Hein? Tu disais que tu voulais qu'on remonte? Ouais, c'est ce que je viens de te dire. En fait, j'ai laissé. Ouais, je pense que ce serait peut-être une. Là, ouais, on est un peu. Un peu nos affaires. Et puis peut-être se construire des armes un peu plus puissantes, parce que là, on c'est a pas que. Un peu. Allons-y alors. Hop, ça y est, j'ai ramassé mon truc. On peut remonter. Je vais un peu galérer là par contre, toi. Attends, je vais faire une plateforme. Ouais, je veux bien, parce que là, je vais. Alors, voilà. C'est tout. Je vais dire. Oui, ta plateforme. C'est suffisant. Le mec minimaliste, tu sais. Je
J'ai la glaire bleue en fait. Ah d'accord. Non, je visais la jaune et puis après j'ai pensé, visais la bleue, puis elle est partie au même moment. J'ai eu l'air con. T'as vu là-haut, il y avait aussi des trucs, hein. Faudra y aller. Oui, mais il y a de l'eau. Je vais mettre une torche. J'arrive, hein. Pas qu'on oublie tout à l'heure. Tiens, il y avait des murs. Pas des poutres, là, quoi. Il y a pas grand chose d'intéressant. Mais... Ah, il y a une cavité ici. Oui, je mets juste des torches aux endroits qui pourraient être intéressants pour pas qu'on les oublie quand on reviendra. Ouais. Hop. Ils vont s'afficher en noir sur notre carte. Il faut vraiment que je mette mon clavier là. Celui-ci est vraiment naze. Je peux pas appuyer sur deux touches en même temps et il oublie en fait. Ah, c'est nul. C'est vraiment pas évident. Prochain let's play, tu mettras ton autre clavier. Ouais. Ah, et puis t'as vu là à droite aussi. Hein. Super clavier. Razor. Tu te la pètes. Ouais. Black Widow. Ah ouais. Il faut. Et puis moi si je retrouve ma souris un jour, peut-être. La race. Non, nous ne sommes pas sponsorisés par. Hop. Oh non, c'est plus possible. Hop. Hé, hey, champi. Pardon. J'ai vu un champi. Voilà, est-ce qu'on creuse pour faire la salle des coffres hein, en dessous du cimetière comme on fait d'habitude ou on fait de la salle des coffres hein. Bonne question. Mais parce que si vous suivez la page Facebook, vous aurez pu voir notre sublime cimetière que nous avons fait récemment dans Terraria dans une autre partie. Il est juste magnifique. Oui. Alors Je pense qu'on va faire le cimetière en premier et ensuite la salle des coffres. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, ça te va? Avant, je vends 2-3 trucs. Commence à creuser. Bon, bah, ça a été vite, j'ai rien à vendre. Bah, ouais, moi j'ai regardé vite fait aussi, mais. Merde, je fais un truc. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas se mettre la plateforme? Ouais, je vais faire ça. Je pense que c'est bien là, non? Ah merde, désolé. Bon, bah, allez, c'est de sa faute aussi. Enfin bon, tout on fait assez bien, mais franchement, c'est juste la déco. Hein. Oui, ça sert strictement à rien. Un petit peu bloc comme des déco, je l'admets, mais. Ah, alors. Je vais me refaire un marteau parce que. Quelqu'un. Attends, j'en ai pas besoin, moi. Non, garde-le, c'est important. On le fait en pierre, hein, le cimetière. Oui. Alors, bon, il est un peu bas. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait des escaliers? Ben, en fait, il suffit qu'un marteau. Voilà. Des astuces de bébelle. Tanatin. J'aime bien. Pleine de surprises cette vidéo. J'aime bien donner des astuces. Je fais de la merde, je suis en train de péter le truc, les gars, tu sais. Hey, un trou. C'est rien, monsieur, on fait des travaux. Restez chez vous. Mais je fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, je sais pas. C'est ce let's play, maudit. C'est fou quand même, hein. Oh, on lui rebouchera son sol après, là. Oui, si tu veux, on lui rebouchera son trou. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Rien. T'enlèveras les conneries que j'ai fait, hein. Chien qui s'éclate. Avec une mouche.
C'est un chien chat. Oui, c'est pas... Ah, il est pas filant. C'est pour moi. Allez, non, je suis coincé dans le truc. C'est un filant qui sert à faire du mana. Ouais. Et comme... Ça sert en fait full mana et faire des super trucs. Comme t'es la magicienne du groupe, ce sera pour toi le mana. Il y a un lapin qui a disparu là de mon côté. C'est mauvais signe si le lapin commence à disparaître. On va devoir faire beaucoup de let's play sur Terraria. Ouais. Ça va être long. Tellement de choses à montrer. Ah, c'est pas mal. Regarde, il y a même déjà de la pierre là. Ça fait un peu. Je pose le sol là. Hein. Vas-y. C'est plutôt calme la nuit. Ça dépend, hein. La lune de sang. Non, mais là. Ah oui, là, en ce moment, oui, quand même. T'as vu, là, c'est vide. On voudra mettre du mur. On va mettre des murs de terre. Ouais, ouais. En fait, c'est à l'atelier, je crois, que tu peux voir ça. Pas sûr. Oui, j'en ai fait hier, mais pas dans cette partie. Alors, je peux déjà poser une tombe. Hop. On l'améliorera plus tard, hein, pour l'instant. Et une bannière. C'est déjà une bannière. Ah oui, c'est moi qui me l'a piqué tout à l'heure. Je m'en souviens très bien. Je l'ai gagné avec la sueur de mon front. Comme si c'était hier. C'était tout à l'heure. J'ai l'impression que le sol s'écroule sous tes pas. Ça sera la salle des coffres. Voilà, et juste en dessous de la salle des coffres. En dessous de la salle des coffres, on va faire la salle bricolage en fait, où on mettra un peu tous les outils de craft. Voilà, comme ça on pourra aller dans le coffre directement avoir accès aux objets. Alors, à faire en fait, c'est mieux que de gigoter partout. C'est Star, en fait là, ici, à intervalles réguliers, on va mettre des plateformes, toi, par exemple, ici. Ouais, bah vas-y, moi pour l'instant je commence déjà à mettre le sol. Oui, d'accord. Lancer un peu. Après une pioche plus rapide. Oui, hein, carrément. Okay. Chercher des pains. Hein. Ah, mais je suis en dessous de sa maison. Tapin en vie, non. T'as disparu, le lapin. Mais oui, ils arrêtent pas de disparaître, le lapin. J'ai lui aussi. Magicien est formé. Quoi, le magicien, normalement? Si t'es pas au courant, il y a un problème. Je contrôle pas, mais je suis Star, tu vois, je contrôle pas encore mes pouvoirs. Parce qu'on m'a volé... Baguette. Non, on m'a volé Glossaric. Ah bah oui, forcément. Voilà. Attends, t'as spoilé tout le monde sur la saison. Je m'en tape. Merde, je suis en train de bouffer tout ce que j'ai. C'est moi qui spoil quelque chose, je suis contente, j'en suis fière, figure-toi. Voilà. C'est toujours toi qui spoil. Non, c'est très bien. C'est très bien spoiler.
Oui. Non, tu comprends. Ça donnera envie encore plus aux gens de dire mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, Star Butterfly, c'est. C'est un animé cartoon, ouais. Qui est fait par Disney et qui est disponible gratuitement hein, sur leur site. Alors attention, sur le site de Mon Petit Poney. Ouais, moi j'aime bien les petits poneys. MLP France. Et avoue quand même aux gens là, au monde entier quand même, que. Enfin, si le monde entier de rien. que t'aimes Mon Petit Poney. Hein. Il faut le dire quand même. Il faut le dire, c'est important. N'aie pas honte. Oui, allez, je regarde assume. Mon Petit Poney, oui. Et alors? Et alors? C'est quoi le problème? Je suis pas un brownie pour autant. Ça, oui, oui, c'est un peu long, mais ça va. Comme le sol se reconstruit, c'est pas comme ça. C'est là. Beau, c'est beau. Tiens, attends, je vais descendre les outils de craft parce que là, c'est un peu long. Si on peut se faire une pioche maintenant. C'est vrai que tu dis ça à la fin, une fois qu'on a. On a presque fini le sens, mais une pioche plus rapide. Oui. Ça nous aurait bien été utile en effet. La table. Bien mettre l'enclume, voilà, ici. Alors, donc faire des lingots. Quoi ça? Plan. Sous la maison, hein. Vas-y, vas-y. Tu pourras me filer tes minerais ouais. Après que je fasse des lingots. Ouais. Je vais reboucher le tout. Ça y est. Merde. Ah, oh. Oh. Les enfants qui regardent ce let's play. Enfin, j'espère. On peut déjà faire du verre, en fait j'ai dit des conneries tout à l'heure. En fait tu nous dis des conneries sur toutes les parties de ta rien, tu non, me forces à faire un vrai. Vieux four de merde là que t'as rien. Non en fait le four de verre il sert à faire des objets en fait. On balance des lingots dans la gueule. Merci. Hop, on mange un peu de terre, du sable, j'ai du sable dur aussi, voilà. Ça fait un peu mal. Tiens, un petit peu de minerai pour la tête. Puis là, j'ai un peu de minerai d'étain. Tiens, attention à la tête. Aïe. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. En... Ah non, j'ai des lingots de tungstène. Mm-hmm. T'as vu ça? Tungstène. Et non, j'ai c'est aussi du minerai de tungstène. Et bah, il y en a des trucs. Et c'est tout. Après, je peux te lancer une poutre en bois dans la tête aussi. Mais je sais pas si t'apprécieras forcément. Ah. Alors. Aïe. Bon, la priorité là, c'est de se faire une meilleure pioche. On est d'accord? Ouais. Ok. Mais non, je veux dire, c'est pratique une meilleure pioche, mais une belle arme, c'est bien aussi parce que. Ouais. T'as vu là, il commence à y avoir des squelettes et tout. Alors attends, je vais faire. Une pioche en. Je vais faire des pioches en étain. Tu peux nous faire des. Non, tu quoi faire des pioches en étain. Je pourrais faire une pioche en plomb, mais je pourrais pas en faire deux. Ah oui, non. Mais non, je parlais par rapport à une arme. Ah, je vais faire une épée longue en tungstène. Ah, d'accord. Après, au niveau de l'arc, je peux faire un arc en tungstène aussi. Bah, moi, l'arc, je m'en sers pas souvent. Tu te sers surtout de l'épée là en ce moment. Bah en ce moment oui, mais j'attends d'avoir mon sceptre en fait. Alors attends, je fais une épée longue en tungstène. Ah je peux faire l'arc aussi, bah je vais faire l'arc en tungstène, hop, voilà. Je vais faire des chaînes, c'est toujours pratique. Des chaînes, des menottes, t'as vu comment t'es en fait hein. Moi j'aime bien. Marmite,
permet de faire de la soupe, je crois. Ah, c'est bien parce que. Un établi lourd. On a pensé à sortir d'un côté mais pas de l'autre, en fait. Oh. Marmite, je te la pars. Chose, mais faire un pour la déco. Oh. Oui, c'est sympa. Ensuite, on est très déco nous dans Terra. Ah oui, c'est super la déco. Je peux faire des équipements en étain. Je vais d'abord faire une pioche en étain. Alors, pioche, hop, voilà. Donc je fais. Je pose les coffres. Voilà. Je vais faire des haches aussi. Voilà. Je vais commencer à mettre le premier coffre ici. Bon, le marteau, ça sert pas à grand chose d'en faire un évolué, je trouve. Ils sont très bien mis, les coffres. Merci. Faire. Ah la vache, je peux faire qu'une cotte de maille. Bah, ce sera pour. Oh, oh. Une scierie. Donc, je commence à faire un coffre d'hiver. Ouais, vas-y. Faire un coffre d'été aussi. Je ferai un coffre d'hiver quand j'aurai le coffre de glace. Je vais faire un coffre d'hiver, un coffre minerai et un coffre bloc. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Je sais pas. Oui, c'est très bien comme ça. Organiser petit pot. Correctement, histoire oui. J'ai une fleur de jour. C'est écrit matériau, mais c'est pas écrit qu'on peut faire de la teinture avec. Non, une fleur de jour, ça permet de faire des cochons, je crois, mais je ne sais plus lesquels. C'était le J'ai fait un fût à bière. Comme à mon habitude. Bah bravo. C'est toujours pratique. On sait jamais, ça peut arriver. Voilà, t'as des pots en verre, je crois. Tu pourras en poser un sur une table, s'il te plaît. Je suis sur en train de le mettre dans les coffres. Ah d'accord, ok, bah j'irai le chercher. Voilà. Je vais bien bouger ta pomme. Voilà. Hop, là je suis en train de faire mettre les murs et les blocs. Je disais, mince, il y a un trou dans cette maison. C'est vrai. Oui, c'est moi. Nickel. Réparer cette maison, pauvre gueux. Tiens, voilà. Mais non, il aime bien. Ils sont déjà en train de jouer à Shifumi pour savoir s'ils vont pas changer de maison. Ah, ils sont jamais contents, écoute. Hein. Tiens, t'as entendu la nouvelle musique à la mode? Ah non, ils se battaient en dessous, j'ai rien entendu. D'ailleurs, je vais aller les engueuler. Tiens, viens. Voilà. Et bah, le troisième coffre, je sais pas ce qu'on va mettre dedans. Voilà, moi j'ai tout. Ah, non, j'avais des minerais et blocs. J'ai tout foutu là-dedans. Bah, le dernier, ce sera pour les lingots alors. Tiens, attends, bouge pas, je t'envoie les trucs. Hein. Ah, pour les minerais. D'accord. Merci, merci. Alors, attends, je sais pas ce que je t'ai envoyé en fait. Une pioche en étain et une hache en étain. Ils avaient pas de. Ils avaient pourquoi pas. Tu voulais garder les bonus pour toi, c'est ça? Non, bien sûr que non. 5 de dégâts au corps à corps, non, c'est juste écrit pioche de... en étain. Voilà, 4% okay. De chance de coup critique, test rapide, recul très faible et 35% de puissance de pioche. D'accord, super. Voilà, et ensuite tu m'as envoyé une hache en étain classique. Mm-hmm. Voilà. Ah, et là, bah, l'été. Donc j'ai rien oublié. Et la cote de maille que je vais équiper tout de suite. Alors, je vais ranger. On va quand même mettre les outils pas dans un coffre. Ouais, ce serait comme bien. Ça, quand on... Tu veux que je fasse un autre coffre? Non, mais ça va, on va en trouver un, on va mettre dans divers quand même. Ouais, d'accord, ça marche. Comme ça, quand on. Si on meurt, on aura quand même un petit équipement. C'est ça, on se dit pour l'instant. Ah, j'ai oublié de mettre les étoiles filantes dans...
Hop, je garde qu'une potion de rappel. Je commence à faire des du mana. Vas-y, vas-y. Là, je vais le mettre tout de suite, comme ça. Hop. Le gel, je le garde. Alors, deuxième coffre, c'est quoi? C'est les blocs. Ah. Tu t'éclates? Ça à quoi? À rien. C'est bizarre. Ça sert à rien, mais c'est marrant. C'est très joli, ça fait un beau bruit. Le troisième, c'est les minerais. Hein. Ouais. Ok, ça marche. Bon, les bombes, je les garde. J'ai une porte, je les mets dans les divers. Quand tu auras libéré. Ouais, bah t'attends. Oui, oui, j'attends. Hop. Bien sûr. Et là. Bon, non, les. Oh, c'est ça. Oui, oui. Je vais les. Ok. Voilà. Monsieur. Monsieur le vendeur. Elle... Ah, il vend une tirelire. C'est pratique ça, la tirelire. Oh, tu trouves ça? Oui. Pourquoi c'est pratique? Ah non, c'est pas ça, pardon, je le confonds avec le cochon. Oui, non, 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 le cochon, on le gagne pendant la lune de sang. Ah, j'ai hâte qu'il y en ait une. Oui. Hein. Voilà, bah, moi c'est bon, j'ai vendu les affaires. Tout est ok, ok. Je vais récupérer un peu de bois pendant que tu t'occupes de ça. Attends, je vais vendre mes affaires aussi. Pardon. Ah, la porte. J'ai pas fait exprès. Hop. Voilà. Bah attends, du coup, il a rien à vendre là. Ouf, ouais, c'est trop cher. C'est un arnaqueur ce vieux. C'est vrai ça. Alors, je vais prendre le filet. Hein, prends-toi un filet hein, dès que tu peux. Alors le filet c'est super, il faut le prendre dès le début parce que... alors c'est pas très... J'en ai pris pour la première fois hier. C'est pas très sympa, ça permet en fait d'attraper... Ça permet d'attraper des insectes pour pêcher. Sinon, ça permet d'attraper des animaux dorés pour les revendre aux vendeurs et on les revend super cher. Sympa. Bah ouais. Sympa. Donc, pêche, ça tire bon des animaux. C'est vraiment sympathique. C'est un peu noir du jeu, quoi. Bah, c'est. C'est un truc, hein. C'est un jeu. Waouh! Au moins, pardon. Au moins. Tu vois, tu sais plus ce que tu voulais dire. Au moins, voilà, je sais plus. On plante des arbres, voilà. Voilà. Au moins, on plante des arbres. Eh, on est quand même. On aime la nature, on attrape des lapins. Donc, je prends le filet. Vas-y, vas-y. Je prends une belle place dans mon inventaire. Oui, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Bah voilà, donc soit on repart à l'aventure, soit on s'arrête ici pour un prochain épisode. On a gagné pas mal de choses, là on va s'arrêter ici, on reprendra la prochaine fois. Ouais, en espérant... bah c'était une partie plutôt clémente, moi j'ai envie de dire. Hein. Deux trésors. Ce serait sympa qu'on puisse montrer une lune de sang. Oui, c'est vrai, oui. Oh, mais c'était pas mal, on a pu voir un petit peu... les maisons, tout ça, quelques décos, encore une fois, parce que nous on aime bien les décos. Oui, on a quand même fait notre cimetière et notre salle des coffres. Voilà, voilà. La partie a bien avancé. Voilà, ouais. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez voir le troisième épisode de Terraria, hein, qui avance bien, j'ai quand même 2 étoiles de mana. C'est ça vrai. Va être la classe. Et on espère qu'on trouvera plein de trésors à vous montrer. Et des boss. Peut-être l'œil de Cthulhu. Et on espère aussi qu'on reviendra avec des vannes un petit peu moins pourries, un petit peu moins malades. Elles sont bien les vannes. Voilà. Alors Bébel, à bientôt. À bientôt Bébel. À bientôt. À plus. Salut, salut.